Facebooker, Facebooker, Facebookeuse. Voilà, on se trouve devant l'IGPN. Donc je viens de faire ma déposition. Voilà, comme d'hab, toujours. Là, on filme, là, on va marcher un peu, on va pas rester devant leur commissariat. Bon, on va rester un peu. Voilà, ben là, je sors du commissariat. Je viens de sortir de l'IGPN, car j'ai fait une plainte contre le commissaire de la ville d'Anisubois, M. Simon, car il a fait une injure publique en mon encontre pour défendre un de ses collègues. Le mouvement de la révolution est en marche, on a toujours été clair. On va nettoyer au Karcher la racaille au col bleu. On va nettoyer au Karcher la racaille au col bleu. Et on va valoriser les policiers intègres. On va respecter les policiers intègres. Et on va discuter avec les policiers intègres afin d'éradiquer les violences policières. Chaque action populaire doit être assortie, doit être réfléchie d'une action politique. Pour preuve, je suis tête de liste pour les européennes de mai 2019. Je suis tête de liste avec un groupe de 80 personnes qui vont m'accompagner afin que je sois député européen. Car on a besoin d'être influent à l'échelle mondiale, nationale et internationale. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on a des syndicats de police, on a des policiers qui outrepassent leurs fonctions et ils nous font du mal dans nos quartiers, ils nous font du mal dans nos banlieues, au point de mentir sur nous, au point de nous dénigrer, au point de nous salir. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui le commissaire de la ville d'Anisubois, M. Simon. Donc on compte sur vous, on compte sur votre soutien. S'il vous plaît, partagez un maximum. Demain, à 13h, le mercredi, à 14h, désolé, mercredi, à 14h, au tribunal de grande instance de Paris, je vais comparaître face au ministre de l'Intérieur et face aussi à Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire en France. Voilà, les 17 personnes, s'il vous plaît, partagez un maximum. Car parfois, on aime bien faire des vidéos où on rentre dans des grands discours, dans des grands débats. Mais à un moment donné, faire des discours du cœur. Et là, le discours du cœur, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au fait qu'on dénonce les violences policières, par rapport au fait qu'on dénonce des malversations policières, par rapport au fait qu'on dénonce des choses logiques qui font qu'aujourd'hui, une large partie de la population, dite la majorité silencieuse, ne croit plus en la police, et bien aujourd'hui, je veux comparer tous les mois face à la police nationale, face aux institutions. Et là, mercredi, je serai face au ministre de l'Intérieur, le troisième homme le plus puissant de France en termes politiques, avec Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire en France. Mais sans vous, les 12 personnes, rien n'est possible. Sans vous, les 12 personnes qui auraient dans le direct, qui ne partagez pas, ou vous ne likez pas, le message ne va pas se véhiculer. À un moment donné, on fatigue. Ça fait exactement plus de 2 ans. On court à l'échelle nationale sans rien demander à personne. Voilà, on le fait avec le cœur. Voilà, afin de trouver une solution pour toutes les personnes dépourvues de moyens afin de faire valoir leurs droits. Mais voilà. Mais à un moment donné, si vous ne nous donnez pas de la force en votant pour nous, en likant, en partageant, en faisant passer le message, voilà, t'aimes ou t'aimes pas ce qu'on dit, c'est pas grave. Mais comment ton voisin soit au courant, que ta voisine soit au courant, on va jamais avancer. Nous, aujourd'hui, le mouvement de la révolution est en marche. On a la clé. Moi, je vous dis clairement, les 22 personnes likées et partagées, écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà, on a écumé les quatre coins de la France encore ce samedi. J'étais à Nîmes par rapport à la famille Fakir, où ils ont retrouvé leur frère mort, tué puis brûlé. Et une officière de police judiciaire qui s'appelle Badia Laurence a été au courant. Voilà, ça c'est une violence policière psychologique. Car le fait qu'elle n'a pas dénoncé une scène de crime, et bien aujourd'hui, il y a toute une famille qui est meurtrie. Voilà, pourquoi je vais comparaître mercredi face au ministre de l'Intérieur et face à l'Alliance Police Nationale, c'est par rapport à l'affaire de Théo, où un jeune de mon quartier, de ma ville, s'est fait mettre une matraque dans l'anus à plus de 10 cm. On a lutté pendant 2 ans, et là, ça y est, le jugement, c'est le 28. Mais sans vous, rien n'est possible. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer à travers les réseaux sociaux, il faut arrêter de faire les victimes à travers les réseaux sociaux, il faut arrêter d'envenimer la haine et ramener des discours de haine. À un moment donné, il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on s'organise politiquement. Tant qu'on ne sera pas organisé politiquement, tant que vous allez croire que vous êtes encore des Noirs et des Arabes et des Blancs et des ça, on ne va jamais évoluer. Moi, je suis un Français. Moi, je suis un Français originaire de la banlieue. Vous êtes des Français, peu importe où vous habitez, vous êtes des Français. À partir du moment où tu résides sur le territoire français, tu es Français. Mais c'est à un moment donné, entre nous, on ne lève pas le débat politique. Aujourd'hui, on laisse des policiers nous tuer dans nos quartiers, nous violer dans nos quartiers, nous violenter. Oh, on va continuer comme ça encore des heures et des heures. C'est pas possible. Regardez, là, je suis à Paris, je marche, on me regarde comme un timbré. C'est le mec qui marche, il se filme, il raconte sa vie. Mais à un moment donné, j'ai que ça, moi, pour véhiculer le message. On est boycotté par les médias. On est boycotté par nos frères, par nos sœurs. Après, regardez les vidéos où je dis que des vérités depuis le début, et même pas avec pèlerin en direct. Et à un moment donné, c'est entre nous, on fait pas véhiculer le message. Nous, moi, on aura essayé. Personne aujourd'hui en France pourra venir nous voir, nous, le mouvement à la révolution est en marche, et dire qu'on n'a pas ramené un vrai projet sociétal, concret, avec des vraies valeurs démocratiques.
Personne. Personne ne va dire que Adama, en 2 ans, n'a pas évolué dans sa prise de parole, dans sa manière d'appréhender les choses et dans l'élévation de son discours politique. Et nous, ce n'est pas un jeu. Hein. On n'est pas des révolutionnaires à 2 balles. Hein. À un moment donné, on fait une vraie révolution. Une vraie révolution. Juste là, on s'organise. Là, on s'organise, on leur fait comprendre, oh, on n'est pas des baltringues. Hein. Les mecs de Tchekar, vous les avez mis pendant de nombreuses années dans des cités. Ouais, nos parents, vous les avez enterrés, mais nos parents, ils ont fait des graines. Aujourd'hui, les graines, ils ont poussé les graines. Ils sont en face de vous. Je suis un Français à part entière. J'aime la France, je respecte la France. Je déteste la République française. Je lui crache dessus, la République française. Ça, je l'ai toujours dit. Moi, je suis un démocrate. Je connais un vrai régime politique démocratique. Simple. Aujourd'hui, mais si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, le problème, c'est la République, on ne va jamais avancer. Si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, on est la farce de cette République, on ne va jamais avancer. Et je défie quiconque de faire tourner le message à des soi-disant politiques, à des soi-disant acteurs éducatifs ou acteurs sociaux. Et ils écoutent mon discours de A à Z. Vous avez bien vu, je prends le temps d'expliquer, je prends le temps d'élever le débat politique. Là, je sors de l'IGPN, où j'ai porté plainte face à un commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Car là, on s'attaque à du lourd. Là, on parle du ministre de l'Intérieur. Là, on parle de l'Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire. Là, on parle d'un commissaire. C'est pas un jeu. C'est pas une histoire de violence policière, un mec qui se fait manger une gifle et qui pleure au loup. Mais à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Nous, au moins, on vous a ramené les vrais sujets. Là, on se bat, on vous ramène des vrais sujets sur la table. Et nous, on est des bonhommes. Grand bonhomme avec un grand H. Les femmes comme les hommes. Mais sans vous, rien n'est possible. Et moi, je suis pas un noir. Le mot noir, c'est le temps de. Autant de l'esclavage ou autant du colonialisme, on appelait les gens les noirs. La preuve, toute appellation où il y a le mot noir, c'est négatif, car c'est une couleur. Moi, je suis français. Je peux pas être plus clair. Moi, je suis pas un noir. Une personne qui me dit un noir, je lui mets une tarte dans sa gueule. Moi, je suis un français à part entière. Et je suis d'origine de la banlieue. Et mes parents sont originaires d'Afrique. Simple. Mais à un moment donné, si on n'est pas le débat politique, et bien ces personnes-là, quand ils nous tuent dans nos quartiers, quand ils nous violent dans nos quartiers, eux, dans leur tête, ils violent des noirs. C'est encore en temps de l'esclavage, ces gens-là, c'est encore en temps colonial. Mais heureusement, il y a beaucoup de policiers qui sont passés ce chemin-là. Il y a beaucoup de policiers qui ont compris qu'ils sont là pour servir la population. Il y a beaucoup de policiers qui sont issus de nos quartiers, qui sont issus de nos cités. Nous, à Aulnay-sous-Bois, il y a plus de 50 policiers en activité. Donc moi, je me refuse de dire que tous les policiers sont les mêmes. Moi, je me refuse de dire que tous les policiers sont des racistes. Bien sûr, la situation policière est corporatiste. La situation policière, exactement, les 29 personnes qui regardaient en direct, faire un petit cours d'histoire. La police a été créée exactement par Napoléon, exactement en 1800. En 1800, il y a eu la première attaque à la bombe. À côté de Napoléon, ils ont voulu tuer Napoléon. Exactement, c'était M. Fauche, c'était le ministre de la Justice ou de l'Intérieur, qui était très proche de Napoléon. Il a fait la première enquête, ils avaient des numéros sur leur charrette là, ils ont réussi à retrouver les auteurs. Et ces deux-là, ils ont réfléchi à créer une police d'intérieur pour protéger Napoléon. Il y a Vidocq. Vidocq est un gros délinquant. Ils ont pris Vidocq exactement en 1810. Il a fait exactement la première police d'intérieur, les RG, en gros. Vidocq, en 1811 exactement, il a été promulgué officiellement, un ancien voyou. Il avait des résultats incroyables. Exactement, en 1840, ils ont fait déjà les uniformes. Car avant, les policiers n'avaient pas d'uniforme. Exactement, en 1870, ils ont créé les gardiens de la paix. Car les policiers, c'était des sergents des villes, c'était trop dur. Comme on a aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ils étaient trop durs. C'était des gueudins. Ils ont dit non, on va oublier de changer. Ils ont fait quoi, les gardiens de la paix, exactement, en 1870, à la sortie de la guerre face à la Prusse, dont Napoléon III, il a perdu. C'est ça, la police. En 1880, ils ont créé exactement les écoles de police. 1880, ils ont créé les écoles de police, ils n'ont même pas évolué. Ils n'ont même pas formé leurs agents. Oh. Et à un moment donné, il faut s'instruire quand on combat un système. Et nous, on ne combat pas le système, on veut juste le réformer, on veut que ces gens-là, ils nous respectent. Ça fait combien de temps, je parle? Ça fait plus de 15 minutes. Je vous promets, regardez la vidéo depuis le début. Je te fais quiconque qui regarde la vidéo depuis le début, il dit tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit quelque chose de tordu ou qu'il n'est pas le débat politique. On n'est pas de la merde, on n'est pas des chiens, on est des Français à part entière. Et je vous promets que quand on va sortir les gilets oranges, pas les gilets jaunes, les gilets oranges, les gilets de la colère, quand on va s'organiser, quand on va sortir dans la rue, et je vous promets, la France ne sera pas prête. Car chacun a une histoire, et moi je ne suis pas n'importe qui. Allez vous renseigner, Adama Traoré à Aulnay-sous-Bois au 3000, je ne suis pas le petit mec de cité qui a été perdu dans sa petite société. Je ne suis pas une baltringue. Moi je veux juste qu'il nous respecte. Moi je veux juste qu'il nous donne du respect. Moi je veux juste vivre avec un maximum de dignité. Moi je veux juste que nos parents, ils soient fiers de nous. Ils disent, voilà, ils ont compris. C'est pour ça qu'on les a ramenés en France. Pour qu'ils rentrent dans les institutions. Pour qu'ils rentrent dans les institutions décisionnelles, dans les pouvoirs exécutifs. Voilà, on est contents. Ils connaissent l'histoire de l'Afrique, ils connaissent l'histoire de l'Europe, ils connaissent l'histoire de l'Asie, ils connaissent l'histoire des océans, des mers.
Aujourd'hui, on a des parents, on a des frères, on a des sœurs, on a des enfants. À un moment donné, on ne peut plus rester comme ça à faire les victimes, à courber les chines. Aujourd'hui, nous, le mouvement La Révolution est en marche, je suis juste le porte-parole, on a la clé. On a la clé. Les 36 personnes qui ont regardé en direct, regardez comment je parle, comment je prends le temps de vous expliquer les choses, on a la clé. Mais si vous ne votez pas pour nous, pour les, mai, pour les européennes de mai 2019, on ne va jamais faire changer les choses. Il faut qu'on ait un pouvoir électif. Il faut qu'on ait cette légitimité-là. Mais elle ne viendra que de vous. N'oubliez pas, on porte plainte contre le commissaire, on va lui faire une carte psychologique pour une paix morale. N'oubliez pas, là, ce mercredi, le 28, il y a un gros jugement face au ministère de l'Intérieur et face à l'Alliance Police Nationale. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Je vous aime. Ciao.